Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 96, on se rapproche des 100 épisodes. Alors est-ce qu'on va faire les 100 épisodes? Je pense quand même, oui je pense quand même. Donc du coup voilà, la FIFA 20 approche vraiment à grands pas également. Donc va falloir quand même un petit peu booster un peu tout ça, voilà, va falloir que je joue pas mal de matchs. Donc je sais vraiment pas si on va arriver à finir la carrière comme je le veux. Donc on verra bien en tout cas. Mais aujourd'hui on va affronter notre ancien joueur de FIFA 18 Parker, puisqu'on va affronter Marseille. Mais juste avant ça, match de Coupe de la Ligue, voilà, face à Nîmes, le deuxième tour. Deuxième tour, ensuite on affronte Nantes juste 2 jours après en Ligue 1, et ensuite on jouera donc l'OM. Voilà, on passera le match de l'Europa League. Pourquoi? Parce que tout simplement ça se passe plutôt bien pour nous en Europa League. Donc voilà, en cas de match nul ou en cas de défaite, c'est pas forcément très très grave. Donc voilà, comme vous pouvez le voir au niveau du classement, c'est plutôt pas mal, et au niveau de la Ligue 1, c'est plutôt pas mal aussi, même si on peut mieux faire. On peut mieux faire. Voilà, on est quatrième avec 20 points. C'est suivi de l'OM, Bordeaux et le Stade Rennais qui sont dans les 3 premiers. Et ça va un petit peu mal pour le côté de Monaco et le PSG, voilà, qui sont actuellement 6e et 7e. Donc voilà un petit peu pour le classement d'Europa League et du côté de la Ligue 1. On perd pas de temps, on est parti. Match face à Nîmes. Pas mal de changements en défense, c'est quand même très très c'est très léger quand même, c'est très léger, mais bon, on est obligé de faire avec, on est obligé de faire avec. Mais ouais, dans le couloir gauche là, c'est pas terrible tout ça. Allez, let's go, on est parti. Et ouais, je pense que après ce match là, puisqu'on aura joué contre l'OM, bien sûr je vous ferai montrer le match contre le PSG, mais ensuite on se fera vraiment uniquement les matchs de Coupe d'Europe. Parce que j'aimerais quand même faire. J'aimerais quand même terminer, faire mon retour à Dortmund et terminer ma saison en fait. Il a préféré jouer sur le côté, pourquoi pas. Le centre, c'est pas mal. On écarte le jeu. Ça va être la fin de la première partie. Il avait réussi à centrer là. Pour l'instant, grosse possession pour nous. Mais malheureusement, comme souvent, on met une grosse pression au début. Mais là, c'est compliqué. On met une grosse pression au début, en fait. Et malheureusement, on n'arrive pas à mettre ce but. Et ensuite, il s'est pas passé grand-chose. C'est déjà la mi-temps. Attention. Préfère injecter du sang frais à ce moment du match. Ouais, la bonne parade du gars. Moi, je trouve qu'il a été transparent. Pas de but, peu d'occasion. Ah. On attend quand même. Ah ouais, bien donné en profondeur. Oui, ça rentre avec le poteau, la petite frappe. Allez, ça y est, c'est passé. Hein. Ensuite, on a bien croisé. J'avais peur même de trop croiser. Et oui, ça passait clairement. Ensuite, avec l'aide du poteau. Sourire, allez, ça fait 1-0. Premier but en Coupe de la Ligue. Par contre, j'ai l'impression quand même que côté Nîmes, regardez, on me laisse pas mal quand même prendre la profondeur. Je suis assez libre assez souvent. J'ai voulu tenter. Ok, ouais, là, ça a manqué de puissance tout ça. On revoit ce but qui a donné une longueur d'avance. Le corner. On va le demander, on sait jamais. C'était pour Traoré pour son premier ballon. Et Nîmes qui relance de nouveau assez vite. Et à chaque fois qu'ils le font, ils perdent le ballon. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là, dommage. À la base, je l'ai pas donné à Traoré. Je l'ai pas donné à Traoré ce ballon. C'était pas pour lui, c'était pour le joueur qui était sur à droite. Et malheureusement, ça l'a balancé directement à Traoré qui était en profondeur. Bon, ça aurait pu passer aussi. Mais si ça rentrait, l'action était plutôt belle. Alors que je suis en train de d'escalader un joueur là dans la surface. Les Nîmes qui sont passés en ultra offensif. Donc attention, il y a hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il est tout seul. Oh là 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 là, notre gardien, heureusement qu'il est là. Hein. Les Nîmes là qui sont en train de pousser. Hein. C'est tout pour l'attaque. Attention, ces ballons là. Attention, on ne pourra pas faire de miracle à chaque fois.
Ah ouais. Qui ont On s'en va voir en récupère de nouveau revenir à la derrière. hauteur. Du coup, le public les pousse à attaquer. Ah, oh, je suis hors jeu. Putain. Ah oui, il cherche un partenaire. Je vais poser non, par contre. Le centre, il a je peux croiser. Oh là là, il est beau. Oh, il est beau. Qui permet à l'équipe. Oh, il est tellement beau ce but. Cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà ah, cette fois-ci, on fait une célébration un peu plus stylée quand même. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Qui a le but? Regardez les chaussures qu'ils ont, quoi. Je suis le seul mec à avoir des chaussures de marque, quoi. Putain. Les petits jeunes de Lyon. Oh là 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 là. Et le centre est pas mal, mais alors. Hop là, on passe, bim. Le pied en a. En opposition devant le joueur. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Un vrai geste de buteur. Du pied gauche en plus. Du pied gauche. Et c'est le petit doublé. Avec la célébration qui est vraiment stylée aussi, celle-là. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est pas mal. 2-0, ils ont pris Allez. Une avance confortable. J'allais dire, on prend l'avantage au classement des meilleurs buteurs, mais non, on n'est pas en Ligue 1, on est en Coupe de la Ligue. Une première période où il s'est pas passé grand-chose, mais au final, en seconde période, ça l'a fait. Oh, pardon. J'ai voulu un peu tenter y aller solo, mais par contre le tacle derrière j'aurais peut-être dû éviter par contre, parce que là on était pas loin du drame. Hein. On était pas loin du drame. J'ai envie d'aller le chercher ce triplé, mais... Oh, c'est dévié sur le poteau. Oh, sur le poteau. Putain, mais non. Je voulais avancer un peu plus en plus, mais putain, non. C'est dommage. Mais victoire. 2-0 face à Nîmes, on continue dans cette Coupe de la Ligue. Du coup, on est parti face à Nantes et on n'a même pas été élu joueur du match. Hein. On n'a même pas été élu joueur du match malgré notre doublé. La 12e journée de Ligue 1, nous avons la meilleure défense aux côtés de l'OM. Oh ouais, donc ça va être un match peut-être assez compliqué. On est parti. Les joueurs de l'OL qui viennent tout juste de donner le coup d'envoi, c'est parti. Oh dommage. Oh, faut que j'arrête. Hein. Oh là 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 là. Ils font tourner. Oh, n'hésitez pas toujours à me faire des suggestions pour le prochain club. Le prochain club, ça ne sera pas l'OM. Hein. Je préfère vous le dire, ça ne sera pas du tout l'OM. Voilà, je vais sans doute faire une carrière manager du côté de l'OM, donc en carrière joueur. Je ne commencerai pas l'OM. Et ça faisait depuis pas mal de temps que j'aurais pas commencé à l'OM en carrière joueur. Donc pour l'instant, je vous avoue, j'hésite entre la MLS et commencer au Mexique, au Tigre. Le Tigré de Gignac. Mais sauf pas en tant que buteur, voilà, du côté des. Du côté du Mexique, mais plutôt au côté attaquant gauche. En ayant le pied droit. Qui progresse dans le camp adverse. Histoire de faire comme ici, de rentrer dans l'axe et de frapper du pied droit. Donc voilà. Donc après faut voir aussi le dispositif. Du club mexicain. Après ça c'est pas forcément très grave, je peux le changer en fait. Je peux l'adapter le dispositif, mais donc voilà, pour l'instant je sais pas trop. Allez, peut-être un bon ballon à la surface. On verra. J'ai envie de jouer avec Gignac en fait, tout simplement. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Enfin, j'ai envie de jouer avec Gignac et j'ai envie de voir un petit peu en fait les offres que vous pouvez avoir en jouant vraiment dans des championnats un petit peu moins. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Moins connu, je sais pas si on peut appeler ça aussi moins connu. Parce que je pense qu'en jouant du côté du Mexique, etc., il y a moyen d'avoir des offres après de MLS en fait. Il a bien senti le coup, c'est intercepté. Du genre vraiment de. C'est souvent ça en fait, quand vous jouez un petit peu à l'extérieur de l'Europe, vous recevez des offres en dehors de l'Europe. Donc je verrai. Même si je galère dans le championnat, c'est pas grave. Je suis prêt à galérer sur FIFA 20. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh là 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 là, mais oui. Eh oui monsieur, comme il dérouvait ma tout. Il pensait que j'allais me retourner et au final. Non, il hop est battu, là. La défense a pas j'ai bien pris fait les deux défenseurs un petit peu à. Le but sous un contre-pied. Hop là, il y a de l'espace là, c'est pas mal ça. Vas-y, prends la profondeur, mon pote.
Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Bien joué Traoré, par contre t'aurais pu. Oh là 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 là, mais oui. Mais oui, mais non, t'aurais pu, mais non. T'as eu raison de me la redonner. Mais t'aurais pu frapper quand même, t'aurais pu frapper. Hein. Et voilà la petite passe. Oh, ça a été vite, hein. Ça a été très vite là pour le coup. La passe est passée avec un peu de chance. Et là-bas, à ce moment-là, je sais pas pourquoi il me la redonne. Et ensuite, on la donne. Oh là là, on la donne au dernier moment. Ça trompe. On laisse apprécier le ralenti sur ce but. Les joueurs de Nantes. Allez, on est reparti dans cette seconde période. Et il y a Bordeaux, je crois, qui fait match nul. Il a fait un bon match. Allez, Traoré qui va faire son entrée. J'aimerais bien que Traoré soit titulaire quand même. Je le trouve un peu mieux. Traoré, qui a le numéro 10 du côté de Lyon. Le voilà. J'aimerais qu'il soit un peu plus titulaire. Hein, parce que voilà, il tente des trucs et il est pas mal. Il est pas mal. Il trouve un adversaire sur ce dégagement. Stanislav Lobotka. Oh, cette sortie de balle. Il enchaîne les bonnes passes. Oh là 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 là, cette sortie de balle, ce contre. Oh si ça va au bout. Oh là là. Oh là là. Oh mais non. Mais non, mais c'est pas possible. Zéro tir pour Nantes, hein. Zéro tir, putain. De l'OL, les supporters semblent apprécier énormément. Allez, ça repartir de nouveau. Sur un centre peut-être. Traoré, il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul et ça y est, Traoré qui marque enfin. Il me semble qu'il était en difficulté pour marquer, ça faisait pas mal de matchs. Il était tout seul. Ah, elle est belle cette action, Pierre, me plaît. Oui, tout part du centre, mais que dire de cette tête, hein. Ouais, il était tout seul. Les dernières minutes. Est-ce que nous allons... Ah, peut-être la frappe du côté de Nantes. Voilà, ça y est, c'est rentré. Je parie que c'est la première frappe. Et comme par hasard, ça rentre. Heureusement qu'on a mis... Heureusement qu'on a l'avantage quand même. On voit bien sur le visage. Et là, il y a eu un petit oubli, il était tout seul quand même. Pas grand chose. Non, l'écart est désormais bien trop conséquent. Oh, c'est bien joué, c'est bien joué du côté de Nantes. C'est trop tard pour eux, mais enfin, c'est toujours bien. Oh là là, Traoré. Même quand on est largement dominé. On lâche hors jeu. Le naufrage absolu. Oh là là. Oh là 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 là, dans le temps additionnel, c'est magnifique. Le doublé pour Bertrand Traoré. Tiens, je suis content pour lui. Ouais, Nantes, ils étaient à l'arrêt. Hein. Nantes, ils étaient à l'arrêt. Je sais pas ce qu'ils ont fait là, c'était dans le temps additionnel, ça, ils ont arrêté de jouer. Bertrand Traoré qui aura marqué son petit doublé. Et bah, j'espère qu'il sera titulaire face à l'OM ou en Europa League, il va faire quelque chose de bien puisque le match de l'Europa League, on va le simuler en tout cas, victoire face à Nantes. Voilà, on est premier du côté de l'Europa League. Voilà, on peut se permettre de passer ce petit match d'Europa League. Hop, et hop, victoire 4-0. Ah bah alors, au moins comme ça, ça fait plaisir aussi. Et on est parti pour ce match. Allez, c'est parti pour un match très 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 très, très spécial. Bonjour, pour Pierre, moi. Bonjour à tous. Là, je préfère vous le dire, hein, si je perds ou si je gagne, je m'en fous. Vraiment, si je perds, là, vraiment, je m'en fous. Si on gagne, tant mieux. Mais si je perds, je m'en fous. Je m'en fous, même si on a besoin de... Quoique au classement, j'ai même pas regardé le classement du coup. Mais alors peut-être qu'ils vont nous le faire montrer. Ah oui, ils vont nous le faire montrer. Ah oui, on est cinquième. Ah oui, donc quoi, quand même, une victoire, ça fait quand même... si. C'est important quand même de gagner pour passer devant donc l'OM qui est du coup a perdu sa première place. Ok. Allez, hein, let's go. Cette équipe de l'OM, on le voit, le Parker, il est là. C'est le joueur le plus grand, il me semble, de l'effectif. L'équipe de l'OM. Oh là là, ça a tellement changé, bordel. What? Il y a un japonais, un chinois, je sais pas. Lovren. Oh là là. Au fil du match, on revient souvent en système. Wow. Ah, c'est pas du tout l'équipe qu'on a connue. Hein. L'équipe de Lyon. Avec les joueurs qui étaient pratiquement tous à 100%, on a aussi le Camara, l'ancien Marseillais également, qui va jouer face à son ancien club. Alors lui, par contre, je crois qu'il a fait, il a fait Marseille-Lyon direct, contrairement à nous qui avons fait pas mal de gros clubs.
On a fait un beau parcours depuis. Et voilà. Ça sera sans doute aussi la dernière fois que vous voyez Parker. Parce que oui, je pense pas l'importer pour le prochain. Alors je pense à importer Rodriguez. Mais bon, voilà, Parker, faut peut-être le laisser se reposer un petit peu. Il est peut-être temps de prendre sa retraite pour Parker. Donc on verra. Peut-être que je vous mettrai Parker et Rodriguez aussi. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, si je pense que si je remets Parker, bon, déjà, il va falloir que je recrée le joueur. Ça va mettre un peu de temps. Mais on va essayer. Je vais essayer quand même de le remettre. Voilà la première frappe d'ailleurs de Parker. Qui est déjà dans le bain, qui tente. Si par exemple je le recrée, je pense que je le mettrai plus, je le mettrai pas à l'OM. Hein. On lui fera un transfert. Je sais pas où est-ce qu'on lui fera un transfert, mais j'ai ma petite idée quand même, j'ai ma petite idée, donc on verra, on verra. Allez, attention, hein. Attention. Ouais, cette équipe de l'OM qui a totalement changé. Hein. Vous allez me dire que lui aussi c'est pareil. Frappe contrée par le défenseur. On commence à jouer un peu à la bavale là. Il prend sa chance. Oh là 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 là, je suis désolé. Cette rencontre. Une rencontre. Constater une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Oh là, il est magnifique. Il est magnifique. Bon, je vous ai zappé la célébration parce que je préfère en fait. Je me souvenais plus du bouton pour pas célébrer. Mais je crois que c'est L1 et 2 fois rond, si je me trompe pas. Du coup, ouais, j'ai pas célébré parce que je me souviens plus de la touche. Et pourtant, j'ai mis la célébration de marque de respect. C'est voilà, c'est ça. En célébration. En célébration personnelle et ça n'a pas sauvegardé. Oh là là, Parker. Ouais, je sais pas du coup. Je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté pour la célébration là. J'avais tout prévu et au final, ça n'a pas du tout. Ça a mis la célébration du. Bah, la célébration que j'avais en fait. Ça n'a pas dû sauvegarder. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai célébré trop vite? Peut-être pour ça aussi. Par contre, attention, un coup de pression du côté de l'OM là. Parker encore. Eh ouais, mais. De toute façon, Parker, on va avoir que lui. Hein. On va avoir que lui. Il est tout seul, alors, par contre. Hein. Attention à ne pas sous-estimer Parker. Bon, c'était pas cadré, il me semble. Bon, en vrai, juste pour le kiff, j'ai envie de voir un but de Parker. Vraiment, juste pour le kiff. Hein. Je vais pas vous le cacher. Il y a beaucoup d'espace encore. Hein. Personne pour contrer l'action des Lyonnais sur les côtés. Oh, c'est dangereux. Ah, ça passe vraiment assez loin du une fois ça finalement. Passe mais deux fois là c'était un peu normal, compliqué hein. Là j'ai totalement foiré ma frappe. Désinvolture, je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Moi je pense quand même qu'on va avoir un but de l'OM hein. Je sais pas pourquoi mais on les laisse quand même déjà pas mal jouer. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Ah, par contre là, oh là là, mais l'espace qu'il y a, mais regardez l'espace qu'il y a. C'est dommage qu'il n'a pas joué un petit peu avant. Allez, au second poteau. Oh là 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 là. D'ailleurs, je sais pas où qu'il est passé, Thauvin. Dans ma carrière. Franchement, je sais plus. Je sais pas du tout où qu'il est. Attention, Parker dans la surface. Qui centre. Au second poteau. Oh. Et l'égalisation. L'égalisation pour l'OM. Je le prends bien. Je le prends bien. En vrai, franchement, si je pars avec la victoire ou le match nul, voilà, ça me va. Franchement, ça me va. Mais là, par contre, ouais, il est parti quand même. Ouais, il y a mon défenseur. Il dormait là-dessus. Hein. Ah, c'était pas mon défenseur, c'était mon milieu de terrain qui était au marquage. Oh. Je le frappe. Et ce qui va être pas mal aussi sur FIFA 20, c'est que du coup maintenant on a le Parc des Princes, le Stade Vélodrome et le Parc de Lyon. Le Groupama Stadium, voilà. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ça fait plaisir. Ça serait bien d'arriver d'avoir d'autres stades comme le stade de. Oh là là! Oh là, si je mettais une reprise de volée, franchement c'était le destin. Ici au Vélodrome à l'OM, heureusement que je l'ai loupé. Hein. Oh là 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 là. Putain, si j'aurais mis un but comme ça et pas le célébrer.
Alors qu'on voit les tirs, hein. 3 tirs pour Parker, 6 pour nous. Allez, on est reparti dans cette seconde période. Le joueur à suivre, bien sûr, c'est moi. Et je suis quand même dégoûté de ne pas avoir que la célébration n'ait pas fonctionné en fait. J'ai pas compris pourquoi. La prochaine fois, je mettrai directement, enfin, je le ferai directement avec les touches qui sont dédiées. Je la mettrai pas en tant que signature personnelle. Dommage. Dommage là-dessus là. Ouh, c'est touché au dernier moment. Stanislav Lobotka, il prend sa chance. Intervention. La frappe. Attention à la frappe. Oh là 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 là. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous ai sorti un tuto. Je pense que je l'aurais déjà sorti. Bon, en tout cas, si elle n'est pas sortie, je vais vous sortir un tuto de pour vous faire montrer en fait comment j'ai fait. Du coup, pour mettre par cœur oui, ça circule bien, dans ma carrière. Et voilà, c'est un peu poteau. Super. Attention, attention, frappe de loin. Ça a voulu chercher par cœur dans la surface. Elle vaut très cher, Hervé, cette interception. Parce que derrière, ça pouvait faire but. Ça peut être. Oh là là. Oui, bien vu. Ouais, c'est bien dosé, ça. Sur la frappe. Oh là 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 là, putain, je la mets pas. Oh, dommage. J'ai peut-être joué un peu trop solo là-dessus, mais bon. Et merde. Bon, 2 minutes de temps additionnel. Bon, bah, ça sent le match nul. À moins que. Oh non. Ça sent le match nul. Ça sent le match nul. Marseille qui, ouais, qui attaque pas. C'est terminé. On se partage les points avec l'OM. Mais en fait, en célébration personnelle, j'avais, vous allez voir, je l'ai mis en fait en célébration personnelle et ça l'a pas fait. Donc soit j'ai célébré trop tôt, ou soit j'ai pas dû appuyer sur rond, j'ai pas dû appuyer sur croix, mais sur rond. Voilà. Je l'avais mis en fait. J'y avais pensé toute la vidéo en fait. J'y ai pensé toute la vidéo. Je me suis dit ouais, le match face à Lyon, n'oublie pas de changer la célébration. Je la change et au final, ça me fait pas du tout la célébration que je veux. 5e, 13e journée. Alors, le Stade Rennais. Voilà, bah on va affronter le leader. On va affronter le leader qui sont égalité de points avec Bordeaux. Donc voilà, Bordeaux, c'était bien ça. Ils étaient bien dans le top 3. Bordeaux qui ont 0 défaite encore. Du coup, au niveau du calendrier, bah on va se retrouver quand même assez loin. Parce que là, je pense que, voilà, au niveau de l'Europa League, je pense que les phases de poule, on va les passer. Hein. Il n'y a pas de souci. Là, on va affronter le club suisse. On va refaire un point au niveau du classement, mais voilà, on a 12 points. On a 12 points, donc autant vous dire que c'est gagné. Là, on va se jouer à peu près la première place. Il y aura quand même 2 matchs encore, hein, 2 phases de poule, mais voilà, je pense que ça va le faire. Clairement, je pense que ça va le faire. Donc, je pense qu'on se retrouvera pour les 8e de finale de Coupe de la Ligue. Voilà, ensuite, on aura un match face à Guingamp. Peut-être qu'on aura d'autres matchs, des matchs décalés ou quoi. On verra bien, mais du coup, je vais pouvoir avancer un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo et on se dit à très très vite pour l'épisode 97 du coup, qui arrivera voilà, le plus vite possible.